Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Notre réseau de transport est exclusivement réservé au personnel du centre de recherche de Black Mesa. Vous pouvez vous promener dans la rame ou vous asseoir et profiter du voyage. Il est 8h47. La température extérieure est de 35 degrés. Elle atteindra 40 degrés cet après-midi. À l'intérieur du centre de recherche, la température est de 21 degrés. Cette rame assure la liaison entre les dortoirs du niveau 3 et les laboratoires du secteur C. Si vous souhaitez vous rendre au-delà du secteur C, veuillez emprunter une rame de haute sécurité au terminal de la zone 9. L'entrée en zone de haute sécurité est soumise à l'identification rétinienne. Si ce n'est déjà fait, présentez-vous au service du personnel afin de vous immatriculer. Extrême toxicité des matériaux utilisés au centre, il est interdit de fumer, de boire ou de manger à bord des rames de transport. Veuillez ne pas vous pencher en dehors de la rame. N'essayez pas d'ouvrir les portes avant l'arrêt complet en station. En cas de défaillance, les passagers sont priés de rester assis et d'attendre de nouvelles instructions. S'il s'avérait nécessaire de quitter la rame entre deux stations, les blessés doivent être évacués en priorité. N'approchez pas des rails électrifiés et rendez-vous au poste d'urgence le plus proche pour y attendre les secours. Nous vous rappelons que les épreuves du parcours d'obstacles de Black Mesa se dérouleront ce soir à 19h au niveau 3. Les demi-finales sont réservées au personnel de haute sécurité. C'est en maintenant votre condition physique à un excellent niveau que vous assurerez à votre personne ainsi qu'à tous vos collègues les meilleures chances de survie en cas de problème. Si vous connaissez quelqu'un présentant les qualités nécessaires, sachez que des postes sont à pourvoir immédiatement en manutention et premier niveau de sécurité. Contactez le service du personnel de Black Mesa pour de plus amples informations. Si vous connaissez des experts en sciences de la matière, biotechnologie ou autres disciplines scientifiques de haut niveau, veuillez contacter la direction du recrutement. Le centre de recherche de Black Mesa offre des chances égales d'emploi pour tous. Message à l'attention de tout le personnel. Le contrôle des taux de contamination nucléaire et biologique est obligatoire. Toute absence injustifiée aux séances de contrôle fera l'objet d'un renvoi immédiat. Si vous pensez avoir été exposé à des matériaux radioactifs ou toxiques au cours de votre travail, contactez immédiatement votre officier de sécurité. Soyez prudent et intelligent, votre avenir en dépend. Laboratoire du secteur C et installation de contrôle. Éloignez-vous des portes automatiques. Attendez que l'officier de sécurité ait vérifié votre identité. Avant de descendre du train, vérifiez que vous n'avez oublié aucun effet personnel.
Merci d'avoir voyagé à bord de notre rame. Nous vous souhaitons une journée agréable et productive. Bonjour, Monsieur Freeman. Vous êtes en retard, on dirait. Monsieur Freeman, j'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes fichiers. Il y a des jours comme ça. Ils avaient quelques problèmes dans la salle de test aussi, mais je crois qu'ils les ont résolus. Ils m'ont demandé de vous y envoyer dès que vous aurez enfilé votre combinaison. Le gyroscope était bien réglé, non? Une probabilité de résonance en chaîne, ça ne vous tracasse pas? Ah, Gordon Freeman. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir. La majeure partie des résultats de la simulation est parfaitement acceptable. Bonjour. Pourquoi devons-nous? Pourquoi devons-nous tous porter ces cravates ridicules? Oui, tout a l'air de fonctionner parfaitement. Espérons que les paramètres de config... Freeman! Désolé, Monsieur Freeman. Mes ordres sont clairs, je ne peux pas vous laisser entrer sans votre combinaison. Tout ça m'a l'air parfaitement en ordre. Je m'y attendais. Qui est le plaisantin qui a caché mes lunettes? Il faudra que je pense à signaler cette fluctuation. Où est-ce que j'ai mis cette note sur la procédure de désactivation ?